Et donc demain, vous êtes au cage du manoir ? Ouais. En fait, on y était hier. Ouais. Bon, on a vu en y allant, en fait, que vous passiez demain. Ouais. Ouais. C'est top comme endroit. Ouais, on connaît. Ouais. On y a joué il y a 2 ans. L'année dernière. Ouais. Il y a un côté barbare. Enfin, hier, c'était la fête des morts. Avec les tétines noires et puis les groupes de... Encore la tétine noire. Ouais. C'est encore raté, putain, c'est pas vrai. Ça fait 25 ans que je les rate. Bah là, c'est le moment où il... 25 ans. C'est vrai. C'est le moment où il faut y aller, parce qu'il est pas éternel. 25 ans que je les rate, à chaque fois que je joue... Pour le coup, ça va être cool comme back. Je les rate. Frédéric avait un bon copain, un bon ami qui s'appelait Stéphane Charpentier. Et ils sont partis tous les deux en Grèce en 2011 et ils sont partis pour un peu, à ce moment-là, c'était la grosse crise économique en Grèce. Et ils sont partis pour faire un petit tour là-bas, pour prendre des photos, prendre des sons. Et ils avaient dans l'idée de monter peut-être un documentaire ou une sorte de film, une sorte de poésie, on savait pas trop. Et en rentrant, Fred m'en a parlé, il voulait faire une bande peut-être originale d'un hypothétique film, qui malheureusement s'est jamais fait. Et puis on a monté ce groupe, on a demandé à un ami, à quelqu'un qu'on avait rencontré, Ben McConnell, qui était le batteur, on a monté le groupe, on a fait un concert, on n'avait pas de nom, on s'est dit que c'était pas mal. On a enregistré un disque, on a trouvé un nom, on a envoyé le disque à un label qu'on adorait qui s'appelait Sub Rosa, et dans la journée nous ont répondu. Donc on s'est dit que tout allait très vite et que donc c'était plutôt de bon augure. C'est ce que Stéphane a dit au début. C'était pas forcément, il n'y avait pas forcément l'idée de faire un groupe de musique. Mais en fait, c'est devenu très très vite un groupe, quoi. Après, le projet artistique, je pense qu'il s'est défini au fur et à mesure, en fait, des disques qu'on a fait et des concerts qu'on a fait. Le point de départ, en tout cas musical, c'était travailler en tout cas autour de l'improvisation, d'une certaine idée de l'improvisation. De qu'est-ce que ça peut être d'être ensemble à un moment donné, de
de se retrouver à faire de la musique sans par ailleurs répéter, composer des chansons, composer des titres. Et c'est un peu le leitmotiv de tous nos albums. C'est on arrive en studio souvent avec très peu de choses préparées, voire pas. Et on improvise avec le nombre de musiciens qui sont là. Au début c'était 3, après ça a été 4, 5, 6, 7, 8. Je pense qu'il y a une forme de sincérité et dans ces niches-là, dans ces scènes-là, auxquelles on appartient, où les gens, tu peux pas vraiment les tromper en fait. Je veux dire, tu pourras les bluffer une fois, mais tu les blufferas pas deux fois quoi. En fait, il faut. Je pense que le minimum, et c'est pas forcément d'ailleurs un gage de qualité, mais le minimum que tu dois faire quand t'es sur scène, c'est être sincère. C'est être savoir que pour toi c'est nécessaire, quoi. Que pour toi t'as envie d'être là et que t'as envie de le partager à ta manière, et il y a mille manières de le faire, avec les gens qui vont être là à un moment pour t'écouter pendant 40 minutes ou une heure. Et ça je pense que c'est vraiment un point de départ, et que peut-être que l'industrie musicale des 30 dernières années nous a habitués à d'autres choses en fait, nous a habitués à des produits, à des choses plus travaillées, à des choses où parfois même les groupes avaient peut-être un peu moins de pouvoir sur leur propre musique. Nous, on a décidé, mais après, on n'a jamais, il n'y a jamais Universal qui est venu taper à notre porte. Mais au-delà de ça, nous, on a décidé, mais par, je pense, que c'est le cas de tous les musiciens qui ont jamais été dans Oiseau Tempête et de la team qu'on est en ce moment. Oui, il y a un choix de vie, donc t'as un choix. Pour nous, la musique, c'est important. On va pas venir à un moment donné faire un truc juste pour venir faire un cachet ou développer ou aller passer sur tel ou tel média. On vient vraiment là parce qu'on a envie de le faire, on a envie de jouer ça. Voilà. On a la chance de rencontrer, d'être dans une scène où on rencontre pas mal de groupes différents, et on peut dire que quand même depuis, je sais pas, on va dire 6 ans, il y a quand même un sacré paquet de groupes qu'on voit un peu quand même, qui défoncent quoi, qui sont hyper bons, qui ont effectivement pas beaucoup de visibilité, je sais pas, si on tape effectivement, c'est pas dans Télérama qu'on va les voir, mais enfin certains si. N'est-ce pas monsieur Jean-Michel Pires. Bonjour. Je ne perds pas le fil. Donc du coup, il y a,
nous on rencontre plein de groupes qui sont très très bons, et on, en fait par rapport, bah, si tu prends, je sais pas, les années 80, 90, bon, il y avait quelques groupes en France, mais il n'y en avait pas autant. Là, il y a des dizaines et des dizaines de super groupes qui sont effectivement pas super connus, mais qui sont un peu dans cette même démarche. Effectivement, ils planifient rien, ils s'en foutent de savoir comment ça va marcher. Tout ce qu'ils savent faire, c'est ça, ils le font. Je sais pas, il y a une sorte de juste retour des choses. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais faire ça, ça te plaît, tant mieux. Ça te plaît pas. Que le formatage, il est sur comment la musique elle est diffusée aussi, en fait. C'est, en fait, il y a les radios aujourd'hui, il n'y a plus aucune radio qui diffusera de la musique indépendante, en fait, c'est quasiment fini. T'as des ferrares rock évidemment, mais je parle de radio hertzienne, nationale, même les quelques cases qu'il y avait sur France Culture, elles disparaissent. Enfin, il y a à la télé, il n'y a plus aucune émission, aucun des groupes auxquels on dans lesquels on pourrait se reconnaître passerait, en fait, tu vois. Donc cette case-là, elle est en même temps morte, et en même temps, dans la tête des gens, elle reste comme étant une manière de découvrir de la musique, quoi. Et c'est autant peu vrai pour le hip-hop, parce qu'en fait, voilà, le hip-hop, ça passe pas à la télé, il y a des millions de jeunes qui écoutent ça, et des millions de gens qui adhèrent à ça, que pour les niches auxquelles nous on appartient, qui sont des plus petites niches, mais avec un public hyper fidèle, et voilà, qui a envie un peu que ça déménage, qui a envie de vivre un truc, je pense, en allant voir un concert. Je pense que c'est fini, c'est le côté juste un peu spectaculaire, un peu bien travaillé, tu fais une résidence pour que tout soit calé, en fait. Je pense que c'est bien quand ça dérape.